Bonjour, alors Yvain, j'ai 34 ans, j'habite à Lescar depuis toujours. Je suis parti un peu pour les études, puis je suis revenu et j'ai pratiqué plusieurs activités ici, du foot notamment. Voilà. Le budget participatif, c'est une occasion pour tous les habitants de la ville de proposer ce qu'ils souhaiteraient améliorer dans leur quotidien, que ce soit au niveau sport, infrastructure, etc. Donc c'est une super occasion de faire remonter les informations et les expériences qu'on vit sur le terrain directement à la mairie pour proposer des améliorations. Alors donc mon projet il se compose de deux éléments à installer ici sur la plaine des sports. Donc ce serait une table de ping-pong et une table de tech-ball. Donc la table de ping-pong c'est assez classique, hein, je pense que tout le monde connaît, il n'y a pas forcément besoin de refaire les présentations. Pour la table de tech-ball c'est un sport un peu plus confidentiel qui s'est révélé ces dernières années, qui vient de Hongrie et qui est un mélange de ping-pong et de tennis. Donc un peu comme le tennis ballon pour ceux qui ont joué. Et on peut jouer dessus soit au foot d'ailleurs, soit au volley, soit plusieurs déclinaisons. Alors du coup, pourquoi j'ai participé à ce projet? C'est simplement un de mes proches qui m'avait parlé du projet et j'avais entendu parler du projet de l'an dernier, donc notamment avec les animaux qui étaient présents au pied des remparts. Donc je me suis dit que c'était une occasion de proposer quelque chose qui plairait peut-être aux gens. Voilà, cette plaine des sports, ça fait quelques années qu'elle revient un peu au vu des nouvelles installations qui s'y sont posées. Voilà, c'était un peu pour continuer dans cette optique-là. Pour le mot de la fin, déjà des remerciements. Je voudrais remercier la mairie de Lescar pour cette initiative. Et j'espère que les installations seront bien intégrées et plairont au maximum de monde possible.